Bon vendredi, tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, c'est la coche. Ce matin, on a des news à propos des euh, Samsung qui se lancent dans les euh, euh, lunettes VR. On fait un petit tour des euh, undervalues, selon moi, sur le marché. Des pièces qui sont presque oubliées, négligées jusqu'à un certain point. Euh, ensuite, vous avez vu le thumbnail, bien entendu. On parle de Cadillac right away. Puis, euh, je vous réserve même une petite surprise. Sur, euh, yeah. Right away, on va aller voir euh, ça. Drette-le, Samsung Glass. Donc, vous voyez ici, Trademark Service Application euh, daté du 23 février, Galaxy Glasses. Donc, il euh, se lance. D'après moi, Samsung se lance. On sait qu'ils sont difficiles à garder des choses très, très, très secrètes. Euh, presque jusqu'à temps qu'ils soient prêts à sortir sur le marché. Donc, là, ça peut être une très bonne nouvelle. Samsung, il y a déjà eu euh, des. Euh, des nouvelles, un petit peu de, dans le passé, on va aller les voir, ça ne sera pas long, mais l'identification pour l'instant de, des lunettes, c'est euh, les Samsung Glasses, ça va être des Virtual Reality Headset, Augmented Reality Headset, puis Headphone, Smartphone, Smart Glasses. Donc là, on. on sont en train de transférer la, 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 la lunette, euh, le, la montre dans les lunettes Moi, c'est ce que je pense, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire le transfert. Puis. Je sais qu'il y a même d'autres choses qui peuvent être intéressantes avec ça. On y revient, tu bien Ben bon, là ça, ça c'est les nouvelles du jour. Euh, Samsung Glass, un, un article qui vient de Smartprix. Euh, Samsung Glass Light, le voyez un peu. on, a, on a, Si je me trompe, si je me tasse là, on a, on a une espèce de concept, une espèce de lunettes plus épaisse un peu, etc. Donc, on ne sait pas encore beaucoup de choses à propos de ça. Là, oh, c'est vrai faut que je fasse ça ici. Um, on en a une autre version ici, regardez, ce qui nous donne l'impression vraiment d'être. d'avoir une télé embarquée. Ça fait penser beaucoup à, aux autres Smart Glasses que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc, euh, yeah, pour moi, ça me paraît super intéressant. Euh, surtout comme je disais, Samsung, hein, sont en temps à regarder du stuff secret à fond. Puis, vous voyez ce qu'on a là aussi. Il avait inventé un Smart Ring que tu mettais dans ton doigt qui permettait de contrôler ton téléphone avec euh, du, des contacts, puis de... de, de de scroller éventuellement dans ton téléphone, etc. Là, ils euh, ont l'air d'avoir réitéré euh... comment je dirais ça? Euh, L'expérience, le sauf que cette fois, euh, quand qu on parle de euh, leur... Voyons, hum... hein? pourquoi je cherche mes mots, moi, matin? quand on est là pour leur bague, ça va être plus une bague qui va faire un peu comme euh, les montres qui gardent votre pouls cardiaque, votre taux de sucre pour certains trucs. Donc là, ils ont l'air d'y aller un peu plus pour un... un... Un truc pour la santé avec leur bague, mais euh, je, je serais pas surpris qu'il y ait quand même un lien avec leur Samsung Glass Lite. Puis, justement, regardez, on avait eu un petit. Hey, ça date de 2020, là. ça va faire bientôt 3 ans euh, et plus bientôt 3 ans, OK. Que euh, Samsung avait comme spoilé un peu euh, des lunettes qu'il y avait là. Puis regardez ce qu'on voit dans les lunettes. Je ne sais pas s'il y en a qui, qui reconnaissent ça, là, mais on traîne lambo On dirait une l'amborghini. Puis drôlement, on a aussi appris que David vidéos ça faisait déjà au-dessus de deux ans qu'il y avait son deal de fête avec Lamborghini, mais qu'il voulait s'assurer d'une qualité optimale, etc. Donc, est-ce que... Je ne pas dire est-ce que Samsung avait un petit euh, lien avec ça. Je sais pas. C'est l'image, euh, tu sais, image Martin Ejek, iDrop News. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça peut être un montage qui n'a pas rapport, mais... Euh, on avait déjà eu des nouvelles comme de quoi qui travaillait là-dessus en 2020 sur des lunettes. Donc là, on a comme complétion, de accomplissement. j'ai des mots en anglais dans ma tête mais ça, ça se complète, ça a de se compléter euh, j'ai hâte de voir ce qu'on s'en va surtout Samsung, Samsung d'habitude quality stuff donc euh, yeah, on s'en va voir nos NFT right away, euh, on a des euh, on, on, on a des pièces que je pense qu'ils sont sous-évaluées là il y en a qui l'aiment pas, je sais je ne veux pas me faire rire, mais moi, moi je pense que les il habitent ont un excellent potentiel pour le futur. Bon, là, je me lance. Là, pourquoi Je pense que les Habits ont un excellent potentiel pour le futur. C'est que, regardez, regardez un peu. La, la, comment je expliquer ça Ils ont la même optique un peu que les Mighty Marvel. Dans le sens où il y en a une collection. Ils sont tous différents. Euh, ils ont toutes une rareté différente, des mints différents. Il y en a moins que les Mighty Marvel pour la plupart. Là. Même les Common, il y en a comme... C'est 4000 un common ici. Il n'y a pas de Mighty Marvel commun qui en a juste 4000, pense. je pense. À moins que je me, me trompe. Non, c'est pas vrai. Des common Non, je ne pense pas. Donc, pour moi, c'est une grosse collection. On, on vient d'avoir les Labiteurs qui sont des mecha pour les Labites. Donc, ça peut même promettre D'autres choses dans le futur, euh, dans le Viviverse, euh, je, je, je serais pas surpris qu'on réussisse peut-être à avoir des avantages avec ça. Puis ils ont même pas sorti les Letten encore, qui sont les bébés la habite. Donc, moi, je vois un gros potentiel avec ça. Ça donne un feeling de collection. Surtout une collection pour peut-être les gens qui. Tu sais, mais qu'on ait euh, 100, 200, 300 000 personnes sur l'application. Que le Viviverse soit euh, animé comme un peu un sandbox qui est en théorie à peu près 10 000 personnes par jour. Je serais all-in. Je, je, je serais all-in. All Donc, pour moi, la bite, très bon potentiel. Il y en a qui sont donnés en ce moment. Il y a des choses qui valaient euh, 300, 400 piastres ici qui vaut 27 piastres en ce moment. Donc, il y a des big pieces. Des big pieces. Ensuite, on a Pizza Planet Truck et Wally. -E. Pour moi, ce sont deux astuces qu'on donne. Moment en deux value. Laissez-moi m'expliquer rapidement. Ce n'est pas les meilleurs du monde, je le sais. Je sais, il y a probablement un meilleur investissement, mais jusqu'à un certain point, c'est deux pièces qui vont être euh, au moins une des deux pièces qui est intemporelle. Le Pizza Planet Truck, c'est Pixar pour encore pour les 5 à 10 prochaines années. On va le voir. On va peut-être même finir par avoir un film sur le Pizza Planet Truck qui expliquerait jusqu'à un certain point pourquoi. Il est dans tous les films. Ensuite, euh, il y a déjà au-dessus de 10 ans d'histoire de, 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 en arrière de, de, de sa cravate, le Pizza Planet Truck, qui est dans tous les Pixar films fait que Moi, je pense que déjà, ça, c'est une pièce intemporelle. D'ici 15-20 ans, il y a encore des gens qui vont dire, ouais, je me rappelle, c'est dans ma souvenir, c'est dans mon enfance, le Pizza Planet Truck. C'était dans les films, j'ai écouté. T'sais. Ensuite, on a Wally. Wally, ça veut dire Chris, il y a eu un film et demi parce qu'il y a eu un mini court-métrage avec des personnages hommes de side. Il euh, y en a qui vont dire oh, c'est oublié ça. Oui, mais en même temps, c'est le film intemporel que vous pouvez redonner à n'importe qui, n'importe quel enfant encore aujourd'hui, euh, dans les 6, 7, 8 ans. Puis qu'après l'avoir écouté, il va sûrement vous dire que c'est un bon film, puis ça va l'avoir marqué, puis il va avoir. Ensuite. J'ai envie de dire que Wally, -E, je ne serais pas surpris qu'ils nous remettent du euh, potentiel dans Wally -E dans les prochaines années. C'était une de leurs plus grosses IP, une des plus aimées, une des plus respectées dans le temps de Pixar. Je ne vois pas pourquoi, éventuellement, ils ne feraient pas un deuxième film, surtout avec la technologie qui avance. Puis, dernièrement un peu euh, l'engouement le, le, vers tout ce qui est un peu spatial. Même, même Marvel s'en va dans le, les stuffs spatial, On a euh, Retour vers la Lune, on, on, on s'en retourne vraiment sur la Lune. On a même euh, Elon Musk qui, qui s'en retourne sur la Lune pour qu'on aille sur Mars. Donc, je pense que côté technologie, question, euh, je serais même pas surpris qu'il nous refasse un film peut-être plus... Euh, plus euh, peut-être dans le passé de Wally, du film qu'on a déjà eu. En tout cas... Grosse pièce pour moi, et temporaire. Ensuite, on a les fucking duo Golden Moment. Là. Ça, c'est euh, Best Friend Forever. Euh, duo si vous voulez mon avis j'adore ces golden moments là je pense que ça a un gros potentiel on parle de Timon Pumba, on parle de Winnie et Piglet, genre, euh, genre 55 gems, genre il y a des gens qui disaient ça descendra jamais en bas de 100 gems 55 gems, un Winnie je pensais en acheter un à 85 gems je suis dit je vais mettre des gems un peu ailleurs euh, j'ai ai bien fait 55 gems, genre c'est genre de truc euh, probablement que ma blonde va avoir besoin d'avoir dans son wallet tu sais, genre, fucking nice. Euh, Puis que ce soit les autres qui sont moins aimés, ça reste que c'est tous des best friends forever. Tu sais, quand on dit les Disney du Rose, c'est des best friends. Puis je pense qu'un jour, ça, ça va représenter gros. Genre, tu sais, les meilleurs amis. Genre, on a tout le temps eu plusieurs dans notre vie. Euh, on sait le feeling que ça a. Je pense que juste ça, ça peut être cool. Je pense que sont vraiment sous-évalués. 34$, 50$, 40$. Fucking good deal. Euh, ensuite, on a les Torch Dragon. Oh my God, c'est encore une fois super low mint. Euh, le ultra rare a maintenu une très bonne valeur dans le temps. Il est encore à 225 gems. Je vous dis une affaire. Il était déjà pas mal plus haut. Ok, euh, all time high 1100 1000 pièces. Je serais pas surpris qu'il remonte là très facilement. Euh, mais que les, le côté asiatique puis les fans de l'Asie arrivent, c'est des dragons avec une thématique, je vous dirais, asiatique de ouf. Euh, la qualité est de ouf. Ça a été les plus belles pièces qu'on a eu quasiment dans les débuts de Vivi. La qualité est incredible. Genre, je... ça va être beau. Ça va être beau dans le futur, je suis sûr. Puis ça va être beau. Cling, cling, cling. Ça, je suis convaincu de ça. Ça va être. Euh... Donc, Overboard, même chose. Les véhicules pour le euh, Viviverse. Je ne vois pas pourquoi ça vaut ce prix-là. Pourquoi que les gens n'accumulent pas euh, de ça. Même chose ici pour ce qui est du. Euh, Comment ça s'appelle? Le Dark Vader, TIE Fighter. Ça. Ça aussi, ça, c'est ça. Big piece. Ça. Big piece. Euh, pour moi, je pense que ça vaut un gros pactole. Il y en a. Surtout s'ils se décèdent en, en burn, ils vont en rester comme 20 pas 30% euh, de, sur le market. Euh, ce qui veut dire que ouf, le prix pourrait monter pas mal là-dessus. Donc, euh, à 36,6 en ce moment. Yeah. Big deal. Pour moi sur le dessus Je dirais pas la même chose pour le site, par exemple. So euh, Yeah! Sinon, euh, je me suis demandé par un, ou non, deux personnes, on va dire un, une et demie officiellement, euh, pour ouvrir un Patreon. C'est fait, il est ouvert, le lien va être dans la description. Je suis je, je, je pas, je pas un amateur de tout ça. Mais bon, ça va être fait, c'est ouvert. Euh, Date-site, on passe tout de suite à d'autres choses, on s'en va, euh, euh, va voir. On s'en va voir, les, les on s'en va voir. Des trucs de chat, on s'en va voir, attendez un peu. Chevrolet. Oui, parce que dans le thumbnail, j'ai mis juste Cadillac parce que c'est un temps Mais Chevrolet et Cadillac adoptent les NFT et les NFT, puis ils déposent des demandes de marques liées aux NFT pour leur marque. Euh, c'est General Motors qui fait euh, pour ces marques Cadillac et Chevrolet. Il y en a qui réalisent peut-être pas, mais je pense qu'on a déjà de très gros liens avec Cadillac et euh, General Motors. Okay? Euh, les demandes ont été mises le 16 février. 2023, puis indique les plans de la société. Indique les plans de la société pour proposer des fichiers multimédia numériques contenant des, listes, des illustrations du texte, de l'audio et de la vidéo authentifiés par des jetons non-fongibles. Tu sais, fait que des fichiers multimédia numériques. Tu sais, fait que là, je sais pas si on reste dans le 2D, 3D, mais, mais, mais j'ai un feeling. Si Lamborghini s'est envenu avec Vivi, General Motors, on les a vus sur Cavernos dans euh, une des vidéos Cavernos. Si vous avez pas déjà vu ça dans le passé, allez fouiller un petit peu ou euh, peut-être fouiller sur la chaîne. J'ai ça. Donc, euh, trademark pour des collectibles, euh, artwork, audio, euh, un, un paquet de trucs. Donc, ça sent bon, ça annonce bon. Euh, dans cette news-là, il parle justement de Vivi et de Lamborghini. Donc, Bon, c'est un site de news, c'est pas un site officiel pour l'annonce de Chevrolet, mais c'est un site où ce qui parle de la dépose des euh, brevets. Là, tout ça m'amène à ce merveilleux graphique, tellement très bien ordonné. Ok, non, non, c'est pas moi qui ai fait ça, mais j'ai fouillé un peu pour, pour vous démontrer les liens entre les entreprises un petit peu, ok C'est la seule que j'ai trouvée qui démontrait des liens très, très, très intéressants et quand même Ça date, ça date de 2015 comme lien, mais les liens sont encore bons en grande partie. Là, il y en a qui se rappellent. Le nous, là, on a, on, on, on a Lamborghini ici. Hein? Vous vous rappelez de ça euh, En théorie, on a vu BMW sur Cavernos. Bon, 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 bon. Est-ce qu'on a BMW On ne sait pas, on sait pas. Mais si on a Lamborghini, en théorie, mais on a vu Audi aussi sur Cavernas. On, on a. Euh, non, non, c'est pas ça. C'est. Euh, on en a d'autres ailleurs. Mais je, je vais rester là. Puis ça, mais ça voudrait dire. Tu sais, au moins Audi Lamborghini. on connaît Lamborghini. Ça veut dire le groupe Volkswagen. Le groupe Volkswagen ont de très forts trade links avec qui General Motors. Ok. General Motors, c'est ceux qu'on vient de voir Chevrolet. Oups, mon petit corps, il veut pas se faire. Chevrolet, Cadillac. Okay. Fait que ça, c'est General Motors. On les a vus, comme je disais, sur euh, Cavernous dans un des vidéos. Euh, on aurait même des liens jusqu'à un certain point. Okay. Peut-être même. Je dis, on aurait peut-être. C'est peut-être des liens. Parce que si on a un lien avec Lamborghini et Volkswagen, euh, le groupe Volkswagen, on a de très fortes chances. Parce que regardez les lignes en bleu ici, ça veut dire des trade links. Euh, et ça veut aussi dire euh, des, des partenariats directs. Okay. Donc là. Gros partenariat direct entre ces deux groupes là, General Motors puis Volkswagen Ce qui nous ramène tout ça ici là, qu'à un certain point je pourrais arriver à faire une espèce de, de rectangle quasiment là mais là ça marche pas parce que ça inclut, je voudrais j'enlève une partie ici là Probablement que ça ici ça ferait pas partie de, de ce qu'on a accès mais je sais pas si vous me suivez un petit peu on a accès à tous ces groupes de voitures-là, en théorie, ou du moins on a des bons partenariats. Si General Motors nous voit faire un partenariat avec Volkswagen, ils peuvent commencer à se dire Chris, on s'en va sur Vivi. Donc, est-ce que, bon, c'est le lien qu'on a directement General Motors qui s'en vient sur Vivi Je ne je, je peux, peux pas me lancer et vous dire ça directement, C'est n'est pas le cas. Sauf que dans le passé, c'est déjà arrivé qu'on ait des discussions comme de quoi qu'on avait General Motors survécu Puis ça, c'est avant même qu'on ait du Lamborghini euh, ou avant même qu'on voit des vidéos de Cavernous. Là, je vous parle de 2021 environ. Il a été parlé extrêmement fortement du groupe General Motors. Donc là, de voir General Motors qui émet des euh, brevets pour des NFT me, me rend pas bullish, mais me rend peut-être m'indique qu'il y, y a des chances, chances qu'on ait du, du General Motors qui s'en vient je verrais ça arriver éventuellement, ça serait pas dans l'impossible donc c'est pas une officielle euh, c'est rien de big, mais comme je vous dis, on a déjà eu des news de General Motors dans le passé, 2021 c'était ce qui se parlait, on va avoir du General Motors sur Vivi, c'était comme la big news euh, c'était une espèce de leak non officiel puis ça avait même été confirmé par la team, donc là on a Volkswagen General Motors. Et moi, 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 je vois le lien entre les deux. Euh, vous pourriez aller voir d'autres images. J'allais voir, les liens sont moins évidents, mais il ya quand même des liens de partnership euh, pour moi. Ça peut être fucking good. sign donc bien, euh, yeah, je reste bullish là-dessus. On a Vespa aussi qui a émis des trademarks. Même chose pour des NFT. Est-ce qu'ils vont s'en aller euh, une fois de plus peut-être sur Vivi. Ça, je ne sais pas. Je pense pas qu'on ait du, euh, du, du Vespa sur Vivi, Mais quand même. Sinon, il me restait une dernière petite chose pour vous autres, un dernier petit euh, insight. Euh, J'en ai parlé cette semaine, euh, on a parlé de Unity qui est en train d'intégrer un paquet de, euh, de, de, de programmes pour les développements des joueurs. Euh, du style MetaMask Immutable X puis Unity c'est un peu comme Unreal Engine ils font des gros euh, font du gros stuff puis là ici là, ça ici là, là, c'est la Game Developer Conference okay, qui arrive en mars le 20 au 24 à San Francisco okay. ici là, regardez qui, qui est euh, qui qui va être, faire partie de la, les, les Diamond Partners ça c'est les partenaires principaux. Bon, on va commencer par les gros, OK? AWS, c'est Amazon. Okay? Bon, Epic Game, Gala Game, Google, Meta, Microsoft, Pico. Mais là, regardez ici Polygon. Polygon puis Gala Game, là, s'il y en a qui s'en rendent pas compte en ce moment, c'est à côté Web 3.0. Donc là, on a le Game Developer Conference de 2024 de San Francisco qui est comme... Dans 3, minimum deux de ses main partners sont full, full, full crypto. Okay? Euh, Gala Games sont full crypto en ce moment même. Polygon aussi. Puis regardez ici, on a Unity dont j'ai parlé hier. Ceux qui n'ont pas vu le vidéo à propos de Unity, euh, allez voir ça, ça va être à la fin du vidéo. Mais je pense que c'est such a big deal. Euh, ensuite, il y a WeMade, XOLA, puis Yahaha. On dirait Yamaha, mais c'est Yahaha. Je sais pas ce que c'est, mais euh, jusqu'à un certain point. Donc, euh, grosse conférence qui arrive. Euh, je pense que ça peut être une big news qu'on a déjà du euh, Web 3.0 euh, qui s'introduit là-dedans. Surtout en tant que Diamond Partner. Donc, euh, ça, ça veut dire euh, des grosses, euh, soit des gros développements, des grosses news, ou un, un gros push vers euh, toutes ces entreprises-là. Donc, bien euh, yeah. Là-dessus, euh, comme je vous disais, allez voir la vidéo qui va apparaître à la place de Matron. Je vous une couple de secondes. Je pense que ça va faire un... So, uh, yeah, that's it. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket.